On est ici sur la place égale égo. Hit the beat, yo. Yeah, yeah. Vous êtes un truc stélo. Featuring Karine Kapinga. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Moi également. En fait, je mets ce truc parce que ma tête, elle est sale. Hein. Mes cheveux sont en train de pousser. Quand je vais plus les couper, je veux changer de style. Alors, du coup, elle, la tête est un peu. Genre, ces derniers temps, dans toutes mes vidéos, vous constaterez que je fais en foulard et tout, histoire de cacher ma tête. Nanana. Bon, bref, mon nouveau style, vous le verrez. Ça va, bébé? Ah, c'est ma fille. Elle est en train de jouer. Bon, bref. En fait, j'ai vu quelques astuces sur les réseaux sociaux, sur YouTube également. Alors, je voulais les essayer. Alors, pour ceux qui veulent les essayer avec moi pour qu'on voit ce que ça donne, on peut commencer ensemble. C'est sur les boutons et les points noirs. On dit que la dentifrice, surtout recommandée de la marque Colgate, aide à éliminer les petites taches, les petits boutons. Or, on dit que le soir, il faudrait mettre un peu d'eau tiède, nettoyer le visage, enlever toute la saleté. Et ensuite, ça va? Voilà. Et ensuite, appliquer la pâte pendant 10 à 15 minutes. Et après, renettoyer le visage. Faire ça comme ça tout le soir avant de dormir. Tous les soirs avant de dormir, excusez-moi. Et les points noirs et les taches vont s'enlever. On dit que c'est pas seulement pour le visage. Hein. Partout où vous avez des trucs, des points noirs, des boutons, vous pouvez les faire et ça va aller. Donc moi, je vais essayer. Je vais commencer ça à partir de ce soir. Tout à l'heure, je vais aller prendre ma douche. Alors, je vais essayer de nettoyer le visage et faire ça. Et voir si ça marche. En tout cas, ça sera une très bonne chose. Vraiment, c'est pas très, très intéressant quand on a les petits points noirs, les petits boutons sur le visage, ça fait pas propre. Même quand on veut essayer de faire, moi déjà je suis pas très make-up, vous constatez que je me maquille vraiment genre. Donc déjà quand on veut essayer même de mettre un maquillage simple, léger ou je sais pas, quand il y a des petits boutons, ça fait un peu compliqué quoi. Donc essayons, et si ça, si ça marchait, parce que j'ai vu que ça marchait sur les personnes qui ont eu à parler de ça. Si ça marche, ça sera vraiment une très bonne chose et ça va tous nous aider. Sinon, je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis bisous. À plus.